Salut à tous, ça fait un play. On se retrouve pour la vidéo sur Sniper Ghost Warrior 3. Donc, c'est tout calme là d'un coup. On cache d'armes. Ouais. Donc, on est parti pour faire une nouvelle mission. Alors, on a des quêtes annexes. Allez à un endroit indiqué, oui, par le point pour commencer une mission annexe. Donc, il va falloir qu'on aille là-bas. Donc, là, bien sûr, c'est pas par ici, à part si on veut aller aux toilettes. On a déjà vu tout ça, je pense. Ouais, on va pas repasser par ici. Cache d'armes. Ordinateur portable, lit. Ok. Ok, donc. Activer lampe laser. Ok. Donc 552 mètres. On est parti. Tranquillement, on y va. Allez, on arrive tout doucement sur le point. Donc. Je vais surveiller la zone, hein. Éviter de me faire repérer par contre, ce serait pas mal. Allez, on est parti avec le drone. Ça n'a pas l'air d'être un ennemi lui. Et je rapide débloqué, ouais. Ouais, ça a pas l'air d'être une zone oufissime. Voilà. Bon, on va aller voir ce qui s'y passe. Ça a l'air d'être plutôt tranquille, donc on va aller voir tranquillement. Port des Smakicheli, ok. Ça doit être ça, port des Smakicheli. Ah, c'est toi. Coucou. Jonathan, enfin un visage sur votre nom. La Géorgie a besoin de votre aide, monsieur le sniper. Peut-elle compter sur vous? Ton aide a renforcé leur conviction qu'ils peuvent sauver d'autres vies. La guerre est un exercice de tri sur le long terme. Il faut sauver ceux qui ont le plus de chances de survivre ou ceux qui ont le plus d'argent. Sois pas aussi cynique. Ce sont les malades, les personnes âgées, les orphelins. Et les chiens battus. Tu oublies les chiens battus. Va te faire foutre. C'est presque trop facile de te mettre en rogne. Allez, donc on va voyager. On peut voyager. Voiture de joueur. Alors pourquoi tu t'amuses à le faire? Parce que c'est le seul moyen d'attirer ton attention. Écoute, contente-toi d'aller au dépôt de carburant des séparatistes. Vole un camion plein de tonneaux d'essence et tire-toi. Pomper l'essence des séparatistes et la refiler au lion. Pas de problème. Terminé. Sois prudent, John. Allez, donc on arrive un peu plus près. Ça nous évitera de nous taper 10 km de marche. Il ne reste plus que 230 mètres. Parfait. Il y a la pied, pas besoin de véhicule pour faire ça. Ah, quoique. Bien envie de faire un petit tour de buggy. Ça fera pas de mal. Allez, go. Ah bah, c'est le premier truc qu'on avait fait où on s'était fait tuer comme des merdes. Alors, trouver le camion. Mais il est là le camion. Non, c'est pas celui-là. Oh, il est tombé comme une merde, lui.
Tu me sais la voir. Et non. Dans ton œil. J'envoie le drone alors qu'il y en a un juste devant moi. Il m'a vu. Ouais bah vu de la discrétion. Hostile, plein de ma position. Ennemi en visuel. Bon, on passera plus tard pour la discrétion les gens. Là je t'ai eu. Allez, point de compétence obtenu. Il dégage. Ah, c'est fait. Bon, ça n'a pas été de ouf, mais on s'en est sorti. Voilà. On va faire un petit peu le ménage là-dedans, on va ramasser quelques trucs. Ah, nouvelle arme débloquée, ok. J'espère que ça va pas virer mon snipe. Non, ça va pas. J'aime bien la com, moi. Ok. Ouais, il y a des mecs là-haut qu'il faut que j'aille fouiller aussi. Allez, go. Et là, il doit y avoir quelques trucs aussi. Ça pourrait servir. Les clés de l'essence, les clés du camion d'essence. Eh ben ça en fait des morts tout ça. Enfin un couteau pour moi, un truc comme ça. Grenade frag, parfait. Hugo. Pas ramassable, bon. Où est le camion? Bah il doit être complètement derrière, je suppose. Oh, j'ai cru que c'était un ennemi. Je vois un camion. Je suis pas armé. Je suis pas armé. Get down on your knees. On n'est pas armé, nous ne sommes pas une menace. Ouais, ouais, bah t'as pas intérêt à en être une, hein. Sinon, tu vois mon nouvel AK, il va te faire des jolis trous dans tes dents, là. Ne me tuez pas. Il est plein de jerrycan. Ah, ça c'est pour moi. Bon,
Bon, on va voir la conduite de camion, ce que ça donne dans ce jeu. Ah, ça... Il y a de la pêche, le camion. Le tableau de bord est plutôt pas mal. Bon, c'est pas encore du Euro Truck, mais bon, on... ça va encore. Franchement, j'aime bien. Parfait, démarré. Il manquait plus que ça. Voilà. Un beau petit camion quand même. Même si c'est un peu plus rustique que Rotruck quand même, bon. Ça reste assez potable. Vas-y, c'est quand j'arrive que tu te barres, toi. C'est la fête. Ah, il va prendre le camion, d'accord. Ok. J'ai de l'essence dans la voiture. Prenez ce qu'il vous faut. Merci. Vous nous avez aidé à sauver un grand nombre de gens. Ouais. Je suis pas sûr de ça, mais bon, ça va. Bon, 87% de précision, c'est déjà mieux que la dernière mission. J'étais à 50. Par contre, j'ai déclenché une alerte, ça c'est pas trop bon, par contre. Voilà, voilà. On a débloqué un point de compétence sniper, par contre, il va falloir que je regarde à ça. Ils vont avoir du mal à se séparer de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'expédition pour aller chercher du carburant a été couronnée de succès. Et le camion que tu as ramené en prime, c'était un chouette bonus. Les passagers sont en sécurité. Mais les séparatistes en ont après toi, ou du moins, après quelqu'un dans ton genre. Il y en a pas deux comme moi. Ils savent que tu es là, quelque part. Et ils vont probablement le faire payer au lion. Alors, allons-y. Et que ça saute. T'as raison, John. Personne t'arrive à la cheville. Terminé. Oh, mais c'est qu'elle me fait des compliments et tout. Bon, bah du coup. Ah, il y a un point d'interrogation. C'est qu'il y a un truc à prendre là-dedans. Pas l'air d'avoir quelque chose. J'ai entendu que ça couinait. Hein. Bon. Y a pas une carte ou quoi ? Objet de collection. Bon. Je pense qu'on passera à faire ça plus tard. Voir, je ferai ça hors vidéo parce qu'à mon avis, il va y avoir des genres d'items à récupérer et ça va me prendre un petit moment. Donc je vais plutôt rester là-dessus et ça sera pas mal. Allez, mission suivante, les amis. Ça, je peux monter dedans ? Non ? Alors, on peut se transférer quelque part. Pièce mécanique, pièce explosive. Allez, on retourne à la base. On va voir s'il y a une autre mission qui nous attend. Bon, ça va, pour l'instant, les missions restent faciles. On récupère de quoi ? Un peu de loot, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis voilà. Donc, on va voir pour les armes. Voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut revendre. Un petit peu. Pas trop longtemps, parce que voilà. J'ai envie que la vidéo fasse. Ah, les compétences. Ouais, on va voir les compétences plutôt. Alors, j'ai 6 points. Ah, ouais, ok, tous mes points sont. Ouais, en fait. Depuis le début du jeu, j'ai pas utilisé une seule de mes compétences, quoi. Alors, caméraman, le cône de vision des caméras de surveillance devient visible en mode reconnaissance. Ok, je mets. Alors, écolocalisation. Les sons, bruit de pas, voix des ennemis sont représentés visuellement en mode reconnaissance. Ouais. Vous trouvez 50% de butant en plus, ça j'aime bien. Alors, encore 2 points. Bah voilà, écoute. Voilà. De toute façon, je pouvais pas mettre 4 points ici, donc... Alors ici, 2 points, pickpocket, les ennemis sont dépouillés automatiquement et rapidement après leur élimination au corps à corps. Ouais, la fabrication de pièges vous demande moins de ressources, ouais. Les dégâts subis lors des explosions sont réduits de 25%, j'aime bien. Alors, guerrier, économe, la fabrication de balles vous demande moins de ressources, ça j'approuve. Ouais, là faut 2 points, donc c'est tout, on passe à autre chose. Voilà, donc on va aller voir les missions. Enfin, tu vois, on va aller voir ça, ce que ça donne. Une petite AK. Oh, je peux mettre l'arc, parfait. Je vais m'entraîner à l'arc. J'adore. Ça va, j'ai de la thune, je peux faire... Anti-personnel, cible sans protection.
Ouais, on va mettre des balles, des flèches normales plutôt. 10 balles, 10 flèches. J'en ai une bonne avec mes balles. 10 flèches, on va prendre déjà. Ouais, quoique. T'en remettre. Voilà. Donc nous avons alors élimination. Principal. Les fossoyeurs. Bon, on l'a déjà fait. Élimination, c'est parti. Allez. De nouveau. Nouvelle catégorie de cible. Les individus les plus recherchés. Les plus ignobles séparatistes qui soient. Et accessoirement, les plus dangereux. Des criminels de guerre de la pire espèce. L'état-major veut qu'on les élimine chaque fois qu'on en aura l'occasion. Et la cour pénale? On va leur faire découvrir la justice à la mode du Far West. On tire d'abord et on pose des questions après. Ok, ça me va. J'ai vu les séparatistes à l'œuvre. Des prisonniers de guerre torturés et assassinés. Des civils violés et brûlés vifs. La première cible sur la liste des individus les plus recherchés s'appelle Ivan Khrouchtchev. Ivan Khrouchtchev, ok. Les lions de Rodki ont dit que je les trouverais dans les blocs d'immeubles. D'après nos renseignements, il est dans le complexe, mais en mouvement. C'est un parano qui se déplace toujours sous bonne escorte. Vous plaisantez pas sur ce coup-là, John. Vous entrez et vous ressortez sans perte de temps. Faites-leur le plus de dégâts possible et rentrez à la maison. Bien sûr, terminé. On peut mettre la musique et tout, c'est fou. Bon, allez. Oh, je pars où, moi? Une route, là. Oh, ça tire. Bon, là, on en vient. Allez. On va aller se mettre là-haut. Bon, j'ai jamais essayé l'arc du tout, hein, donc si je fais de la merde, désolé les gens, mais... John, n'oublie pas de chercher le drone militaire qui s'est écrasé. Coup de chance, son GPS fonctionne toujours. Je t'envoie sa dernière position. Récupère ses données avant que quelqu'un d'autre le trouve. Compris. Le bâtiment est bien gardé. Ça va être compliqué d'y entrer. Essaie de trouver l'autre chemin. Tu pourrais peut-être l'éliminer à distance. Allez, on va faire une petite inspection. Bon, déjà, il y a un snipe sur le toit. Alors. Je fais bien tout le tour et après je me lancerai tranquillement. Ah non, il n'y a pas de snipe ici en fait. C'est un point où je peux me mettre. Allez.
Donc en fait, je pourrais aller là-bas. Ok, donc on va aller voir ça. On tient le véhicule. On le cache. Ouais, le véhicule il fait des rondes, quoi. Tu vas prendre une bastos. Dans ta toutée. Je récupère le corps avant que le véhicule revienne. Oh putain. On va y aller doucement. Hein. Je mets une balle dans le cul ou ça se passe comment? Parlez. Une échelle mène au toit, du côté gauche du bâtiment. Allez, on va aller là-haut. Ok, donc il m'a parlé d'une échelle. Ça s'ouvre pas ici. Faut que j'évite de tirer comme un con. Il va falloir que je passe là-haut, sérieux? Ah non, je tombe. Je vais essayer par là, on verra bien. Voilà, il m'a parlé d'une échelle. Il n'y a pas d'échelle ici. Hein. Tout ce qu'il y a, c'est une baignoire. Ok. Bon. Là. Comment je fais du coup? Alors, moi je suis là dans le coin. Alors, pièce mécanique. Ah là. Objet de collection. Site d'inatterré. Pièce mécanique. Ok. Il y a des pièces mécaniques dans le coin. Donc là, normalement, c'est à 7 étages. Donc il faut que j'aille voir là-bas. Normalement, c'est dans cette pièce. Et le problème, c'est que je peux pas y accéder. Alors. Bon, bref. Osef, les pièces mécaniques, je reviendrai. Ah, le con. Vas-y, grimpe.
Pourquoi il veut pas grimper lui? Grimpe. Ah ok. Non, ça marche pas. Bon, on va essayer. Non, tu veux pas? Ah, ça y est. Un point d'accroche. Alléluia. Bon bah on avance. Objet à échanger. Youhou! C'est une blague là? Ok, derrière la porte, on peut pas y accéder. Ce serait un bon point ici. Mais bon, je vais aller plus haut. Ah là. Voilà. Et on monte encore d'un étage. Et voilà les pièces mécaniques. Ah bah non, même pas. C'est toujours pas celle-là. Ça c'est bonus. C'est bloqué. Il doit y avoir un autre chemin. Ah, le bug texture ici. C'est bloqué de où? Je peux redescendre? Non, pas faire le fou. Le balcon, c'est le seul moyen de sortir d'ici. Ouais, et ça va être à mon avis le seul moyen d'accéder à pièce mécanique à la noix. Si je passe par là-dessus, c'est quoi ce bordel là? Se suspendre, ok. Il y a une échelle, c'est ça là, c'est ça son échelle. De là non haut, j'aurais une vue dégagée sur tout l'avant-poste. Oh le con, qu'est-ce que j'ai fait? Au moins il remonte à la corde. Oh, fait chier, je dois tout me retaper. Bon, allez, c'est reparti. Ah, je croyais être mort. Ça va. Bon, maintenant je connais la route, hein, c'est bon. Enfin, je connais la route, c'est bien grand mot. Y'a rien sur le balcon. Je finis d'inspecter au cas où. Allez, et on remonte. Et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Vas-y, vas-y. T'es le plus fort, ma mène. Bon, on arrête de faire le con maintenant. Et on se met bien sur la mission. C'est quoi cet étage mystérieux là? Yaman. Bien fait de fouiller un petit peu. Pas mal, on trouve des trucs. Pas affichés sur la carte, c'est bien. Ok, donc là c'est d'où on vient. Parfait. On récupère tout et on y va. J'ai trouvé un drone écrasé. Récupère-le. Ça doit être celui qu'on cherche. Ça marche. Donc du coup, j'ai fait une pierre deux coups. J'ai récupéré le drone. Je savais même pas qu'il était là. Et j'ai un point de vue parfait. Pour foutre le sbul.
Ah, il y a des nouvelles cibles. J'ai un visuel Khrouchtchev. Sur Khrouchtchev. Cible confirmée. C'est bien lui. Trouve un endroit où le neutraliser. Alors, 104 mètres. T'es mort. Cible neutralisée. Joli tir. Maintenant, tire-toi de là. J'ai envie de me les faire. Je peux encore assez de gamine. Tu vas s'asseoir au calme. Ah, rate ton crâne, ma gueule. Lol, il s'est levé. Oh, toi, c'est une balle en pleine tête, ma gueule. Youhou. Ça fait mal de se prendre une bastos. Ah, les deux là, faudrait que je fasse une pierre de coups, mais ils vont pas bouger en fait. Toi là, ça va? On a perdu un homme. Fouillez le périmètre. T'es mort aussi. Dans ta bouche. Putain, t'as une cagoule, t'es moche, mon gars. C'est violent. On a perdu un homme. J'ai besoin d'un infirmier. En position défensive. Tirez au mortier. Repliez-vous au tir du mortier imminent. À couvert. Alors lui. Ah, j'ai plus de balles, c'est quoi ce bordel? Vite, recharge. Il reste plus de deux balles. Alors toi, mon gars, vas-y, sors. Essaye de m'envoyer du mortier. Il me reste qu'une balle en plus, je suis deg. Pas bouger, pas de problème. Je vais venir te chercher. Vous croyez qu'il est toujours là? Vas-y, sors ta petite tête. Je sens que ça va durer longtemps. Bon, je vais aller les chercher, ça ira plus vite. Tout ça débloqué, parfait. Ah bah, ok, succès de la mission.
81 de précision, parfait. 0 alarme déclenchée, 12 ennemis tués. 9 tirs en pleine tête. Eh ben, c'est beau ça. Eh hey John, t'es presque trop doué, tu sais. Merci. Non, sérieux. Ton efficacité commence à flanquer la trouille aux séparatistes. Ils ont compris qu'il y avait un nouveau joueur dans la partie. En revanche, on sait pas encore s'ils connaissent ton nom. L'état-major a intercepté des communications locales par l'info. Vous êtes une vraie star. Et dans tout ça, on a entendu mentionner un complexe de communication par satellite dans les montagnes. Parfait. Si on réussit à les pirater, on tiendra les séparatistes par les couilles. C'est clair. Et l'état-major aurait les renseignements qu'il demande. Attendez les ordres.